Elle est estimée entre 5 et 7 millions d'euros. Cette toile de Paul Gauguin, peinte en 1897, fait partie d'une série de 9 tableaux réalisés par l'artiste lorsqu'il vivait à Tahiti. Te Burao, c'est le nom de l'œuvre, décrit une nature vierge avec une présence très limitée de l'homme. Un tableau rare. C'est une certaine somme, bien sûr, mais relativement raisonnable dans le contexte du marché actuel, où je dirais que la chasse aux œuvres majeures et aux trésors aujourd'hui est très, très vive. Les œuvres de Gauguin de la période tahitienne, il y en a très peu aujourd'hui sur le marché. La dernière qui est passée en vente remonte à 2 ans. Le chef-d'œuvre est dévoilé ce vendredi au public à Paris et sera mis en vente aux enchères en décembre par Art Curial.